et cause à l'issue bon moïté et coucou frappé ici et ceux qui ont cause à bon moïté ça devient et c'est la bonne moïté quand il est attaché à ses corps. Amen. Amen. Nous n'avons de vie bon que si nous sommes connectés à Christ. Amen. Kakatango tokangami na Christ. Oui. Iyo. Si vous n'êtes pas connecté à Christ, vous n'avez pas de vie. Na Christ, te ozai na bon moïté. Si la racine. Ce qui m'a aussi ça. Est saint. Ezali est saint. Mais les branches le sont aussi. Na boebita pepe loko le ezali la est saint. La vie que nous avons. Bon moyo biso tozai na yango. C'est la vie de Christ. Ezali bon moyo na Christ, e moko. Jean chapitre 15. Yohane moka poizo. Si la branche n'est pas attachée au cep. Ce qui est tapé kangami te na nzete. Cette branche là. Et tapé yohane ko kauka. Et on la brûle. Pe bako tumba yango. Parce qu'elle était dehors. Pe e boa kami libanda. Elle ne portera jamais de fruit. E komema mbala moko te mbuma. Cessez de pousser les gens à devenir des chrétiens. Ko tindi ka bato na makasi ba koma ba Kristo. On n'adhère jamais dans la famille de Dieu. Dans la famille de Dieu, on doit y naître. Il faut que la nouvelle naissance soit vécue. Et la vie qui est là sera manifestée au temps convenable. Bien-aimés, nous sommes membres les uns les autres. Dieu ne veut jamais que son corps soit divisé. Comme Israël. Il voulait que Israël soit éparpillé. Israël soit toujours uni. Israël un seul peuple. Azalabel ibota moko. Et regardez chaque fois que Israël allait combattre comme un seul peuple. Israël est abunda kalolenge na libota ben moko. Il y avait la victoire. Et longe zalaka. Mais quand il était divisé, il y avait l'échec. Une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister à Dieu le Seigneur. Dieu veut que nous soyons unis les uns les autres. Demeurons dans les liens que le Seigneur a choisi pour nous. C'est de cette manière nous sommes épargnés du jugement. Le frère Franck, il prend la l'écriture des psaumes 50. Azui likomio na njembo tukumitano. Je crois au verset 5. Abanji anziana mitano. Où le Seigneur dit. Et si qu'on colle. Rassemble-moi mon peuple. Sangi selangai libota o nangai. Avec qui j'ai traité alliance, hein? Non. Mes fidèles. Excusez-moi. Psaume. Olimbi sangai. Nous ne voulons pas banjembo interpréter quoi que ce soit. Tungite kolimbola. Regardez. Verset 5. Ziana mitano, njembo tukumitano. Rassemble mes fidèles. Na boye kangi sangi selanga iba. Qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Oyo basana ngai boyokani elongo na nziana beka. Tous ceux qui ont accepté le sacrifice de Golgotha. Na ebanso basia ko mbeko na Golgotha. Doivent être rassemblés. Asengeli ko sangana. Amen. Amen. Doivent être unis. Asenge ko zala moko. Doivent marcher ensemble. Regardez dans Actes des Apôtres, chapitre 5. Il est écrit ceci au verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Alléluia. Amen. Nul ne disait que ce bien lui appartenait en propre. Mais tout était commun entre eux. Voilà comment ils étaient. Ils étaient réellement unis. Mais l'écriture dit dans Galates. Chapitre combien? Dans Galates. Chapitre 5, verset 13. Frère, vous avez été appelé à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Écoutez, mais rendez-vous par l'amour. Serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Pwete, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Mais si vous vous mordez, car si ceux qui vous aient et vous devez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns pour les autres. Il est question de marcher dans l'unité. Demeurant toujours attaché à ces corps. C'est mon frère. Philippiens chapitre 2. Regardez ce qu'il dit. Verset 2. Rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment. Un même amour. Une même âme. Eli mobe moko. Une même pensée. Likanisi be moko. Verset 3. Nzana misato. Ne faites rien par esprit de parti. Bosala likamo moko tena ou par vaine gloire. To pona kembo ya pamba. Mais que l'humilité. Kasi tikaete komi. Vous fassez regarder les autres. Emonisayo basusu. Comme étant au-dessus de vous. Balekio na lokumu. Que chacun de vous. Nabo etikaete moko na moko. Au lieu de considérer ses propres intérêts. Na esika ya komona matomba ona yemo. Considérez aussi ceux des autres. Azo apena motu ya matomba ya basusu. Ayez en vous. Boza na kati na bino. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Boza la kati na Yesu Kristo. De sentiments d'humilité. Lui, le grand Dieu. Dans Jean chapitre 13, il s'est humilié. Il a même montré l'exemple. Pas simplement que je demeure un simple homme, mais je dois être même votre esclave. Kozala moto ya solo kasi na singi kokoma. Mombo na bino kosai la bino. C'est comme ça qu'il a manifesté la fonction de l'esclave. Et j'ai atalisaka mosala ona mombo. Il dit à ses disciples, je dois vous laver les pieds. Un travail des esclaves. Mosala ona c'était pour leur apprendre l'humilité. Et c'était pour leur apprendre qu'ils doivent se servir les uns les autres. Et pour être aïkolisa na bango et ba singi kosunga na bamoko na basu. La véritable église. Malinga mi ekeza ona solo a singi kozala be. Aza na bamoko. A singi kokabwana. Même pas dans les pensées. Nous devons arriver à un niveau. Donc, c'est quand je vois chacun qui est ici, je reconnais qu'il est membre du corps. Regarde frère, je voulais apporter ce message pour que nous puissions comprendre qu'il n'y a que là où Dieu veut que nous soyons, c'est là où Dieu nous bénit. Et si nous sommes dans ces liens-là, nous devons garder l'unité de ces liens-là. Là-bas nous ne nous dirions pas, mais là-bas nous devons nous aimer les uns les autres. Et la Bible dit, ayez un amour fraternel sans hypocrisie. Oui, Iyo c'est ça la vérité. Quand les membres souffrent, c'est tous les corps qui souffrent avec lui. Mais quand un membre est honoré, c'est tous les corps qui est honoré avec lui. Et j'ai fait. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de animosité, il n'y a pas de jalousie. Là, il y a un amour sincère. C'est l'amour qui est le lien de la perfection. Le frère Branham a apprécié, il a dit, il n'y a que l'amour parfait qui entrera. Bien aimé frères et sœurs, quelqu'un nous aide. Au point que nous pouvons rester, nous commençons à balayer toute la salle. Vous sentez, même dans votre propre sentiment, que vous n'avez rien à redire contre un frère. Excusez-moi que je lis ce verset. Oui, il peut y avoir débat et de où. Il peut y avoir des différences. Mais nous devons revenir au sentiment du corps, le sentiment qui est dans Jésus-Christ. Vous savez dans Jacques, chapitre 5, le frère a lu ce verset la fois passée, de l'acception des personnes.
On ne doit pas même avoir de l'acception des personnes. Nous ne regardons pas les gens qui sont plus bien habillés. Ah, nous aimons les uns les autres. Oui, bien aimé. Que rien ne vienne diviser le peuple de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que son peuple soit éparpillé. Il veut que son peuple soit uni. Mais s'il y a un problème, l'Écriture dit ceci. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, remettez-vous d'entrée de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, ya kolela likambona oetali mosusu, que dit l'Écriture, ikomise kolobanini, pardonnez-vous réciproquement. Si un frère m'a causé du tort, il vient me demander pardon. Aye, koli, ko senga je lui ai dit que je te pardonne. Na, ye, je lui mets la main au cou. Pe, na kola kisana, na le frère Balaam dit ceci. Deko bwana maze kolo, si babo, avant que l'indifférence n'arrive, ce qui a été ce qui li yambo ete likambo moko eko makati na yo na ndeko, vous étiez en bon terme, bozaka kofana malamo, il n'y avait même pas de suspicion, na boye zaka ata kona makanisi moko mabe arrivé kasi likambo moko ya mabe ekomi, et que vous ne savez pas pardonner, pe yo ozai koko bate koko kate kolimisa, et un pardon sincère, pe bolimbisi na bosolo, et que vous ne ressentiez plus le même sentiment qui était en vous avant que la chose n'arrive, pe ozai koyoka mabanzo moko to zaka na yango yambo ete likambo eko makati na yo, vérifiez votre expérience, na boye tala libiki na yo malamu. Le peuple de Dieu, c'est un peuple qui est en paix. Je t'aimais pour vous lire ceci. Parce que l'église doit être une et Ecclesia unique. Moko kaka pe asa azaina bo moko kati na citation ici. Na kotenga ya bino mwa ba. Non, c'est là le frère Félix qui avait fait ça. Na bwana tango na ndeko Félix nda tanga ka. Mais j'ai trouvé que c'est vraiment capital. Ba sina moni te yango j'ai pensé na motuya. Dans la prédication Apocalypse chapitre 5. Na bwana moni seli Apocalypse chapitre 5. Le frère Branham donne ce conseil. Ndeko Branham azai ko talisa likambo. Il dit ceci. Allo Bibo. Écoutez attentivement. Boyo kana bokebi. Ceci est aussi enregistré. Alors si cela ne va pas, ne laissez jamais un petit isthme, kotika atako isme moko ya mokete, un petit quelque chose, mwalikamo moko ya moke, ou un petit ressentiment surgir parmi vous, to likamo moko ya mabemba kokota katikati na bino, même pas le ressentiment, atako likamo moko ya mabemba, que ça ne vienne pas au milieu de vous, eya te katikati na bino, débarrassez-vous immédiatement, na bwebolongola yango kati na bino mbala moko, parce que ce sont les petits renards qui abîment les raisins. Ezali ba mbwa ya zamba ya mike bangonde ba baby sakambu manavino kati na elamba parmi les enfants de Dieu biloko ya mike mike kati na libota na nzambe ya bim na communion fraternelle e baby saka boni boyoka ni kati ya bandeko de petit chuchotement là ma mwa baloba ya mike mike ba shishi ya mike mike ça détruit e baby saka notre communion dans le corps de Jésus boyoka ni nabiso kati na nzoto na Kristo il est important ezali na motuya au milieu de nous ete kati na biso qui n'est même pas des calomnies. Pour garder notre unité dans la foi. Pour garder notre communion fraternelle. C'est mon frère. Il a été racheté par le sang de Jésus-Christ. Je dois le considérer. Il y a des histoires qui ne marchent pas. C'est vrai, c'est comme je l'ai dit là. Tous ne sont pas enfants de Dieu. Vous savez, quand les méchants sont humiliés, ils ne peuvent pas faire ce que l'ennemi. Mais les enfants de Dieu ne peuvent pas écouter la voix de l'ennemi. Je continue. Il dit ceci.
Ce sont des petits renards qui abîment les renards. Ainsi, garde-les hors du chemin. S'il y a un petit sentiment étrange, allez en parler à la personne. Dites, j'ai tort. Je ne me sens pas juste vis-à-vis de vous. Vous savez, quand nous venons prendre la Sainte Seine, nous témoignons que nous sommes membres du corps de Jésus. Nous témoignons aussi que nous sommes membres les uns les autres. Comment on peut prendre la Sainte Seine et on se critique les uns les autres? Là, on n'a pas compris. On n'a pas bien discerné. Aide-moi à prier pour cela. Afin que je devienne meilleur. Parce que nous ne voulons rien d'autre au milieu de nous. Que le Saint-Esprit pur. Et non frélaté. Et non faire quelque chose de. Qui est de semblant, non? C'est tout ce que nous voulons. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Alors, les dons et autres se manifesteront correctement makabo. Et tout marchera bien. Oui, tout ce que nous attendons, il faut que nous arrivions à l'unité de la foi, à l'unité de l'esprit. Ainsi, si un petit sentiment étrange apparaît parmi vous, un membre à l'égard d'un autre, allez vers cette personne. Vous dites, oh, ils m'ont fait. Souvenez-vous que ce n'est pas si vous avez un grief contre le frère. Mais si le frère a quelque chose contre vous, si ceux qui l'écho, Azaina likamomoko yo yamabe painayo. Ezaï ma commune dans un kotanga. Allez vers lui. Nabwekene painayo. Réconciliez-vous. Bozonga na boyokani. Dites-lui que vous avez eu un sentiment étrange à son égard. Et que vous désirez devenir l'ami. Olingi kozonga moninga na ye. Priez. Allez à l'hôtel et chassez la chose du milieu de vous. Je vous lis encore ceci. Il y en a beaucoup de choses que je peux vous lire. Mais je vous lis un peu ceci. Regardez ce qu'il dit. Je vous laisse sortir d'arriver avec quelque chose. Bon, je lis deux et c'est ton terme. Il arrive souvent qu'un prédicateur fasse une faute. Et si ce cher frère vient dans un certain milieu. Non, si ce cher frère vient dans un certain milieu. Si ce cher frère, ce qui ndeko ya motuya. Ah, peso ki ndeko na motuya, motei oyo ayena isika moko boye. Essaye de faire ce qui est juste. Ameki ko sala we ezali malamu. Et de bien conduire les gens. Tout ce que le diable peut montrer à l'incroyant ou au soi-disant chrétien dans ce milieu pour salir cet homme, il le fera. Vous savez, la véritable attitude chrétienne, c'est de cacher tout ce que vous pouvez au sujet d'un frère. Ne relevez pas ce mauvais côté. C'est ça l'attitude d'un véritable chrétien. Si un frère a fait quelque chose qui est mauvais, la bonne attitude chrétienne, c'est de fermer la bouche sur cela. Bien aimé, moi, qu'est-ce que j'ai à faire avec le passé d'un homme de Dieu, d'un frère, d'une sœur? Il a fauté, mais si Dieu a pardonné, il a oublié. Voilà notre attitude. Maintenant regardez. Alobi boye.
Ne relevez que ses bons côtés. Dites seulement de lui ce que vous savez de bien. Si quelque chose est mal, laissez-le de côté. Le pauvre homme a de toute façon subi suffisamment contre lui. Pardon? Hein? Le pauvre homme a de toute façon suffisamment contre lui. Ah. Moto yo akoyi koloba mabe na ye, azayina maloba mingi ya mabe akoyi koloba likolo na ye. N'essayez pas de prendre une perche et de pousser plus profondément cet homme dans la fosse. Na boye bolukate ozwa pa ope otimola lisusu mingi koleka ozindisa moto yo asiko sala mabe. Voilà l'attitude chrétienne. Tala lolenge mo Christ asengeli koza. Soki moto asiko koya. Na boye kotimola lisusu likolo te po ozindisa mingi. Voilà notre attitude. Tala lo lenge na biso ya kozala. C'est d'étendre le bras. Lo lenge na biso ya kozala. Ezali ete totalisana eloboko pe to bimise utali bulu. Voyez-vous? Bomoni, n'essayez jamais de le pousser vers le bas. Bolukate mbala moko bozongisa lisusu na libulu. Il est déjà en bas. Libela asikoza kati na libulu. Essayez plutôt de le Lukanzo kande osunga ye à monter. Ete abima na libulu. Que Dieu bénisse. Jambe apambola bino. Qu'est-ce que nous voulons dire? Toningi koloba nini? Nous sommes membres du corps de Jésus-Christ. Tozai binama ya nzoto na Yesu. Et sommes membres du corps de Jésus-Christ. Lolenge tozai binama ya nzoto na Yesu. Nous devons nous aimer les uns les autres. Tosenge kolinga na bamoko na basusu. Alors il est dit, pardonnez-vous réciproquement. Olimbisa na bamoko na basusu. De même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Olimbisa na pelo kola. Mais par-dessus toutes ces choses. Asiliko na makamo maemaso. Remettez-vous de l'amour. Bomilatisa na bolingo. Qui est le lien de la perfection. Oyo ezayi singa ya bokokisa mibe. Et que la paix de Christ. Petika ete kimia na Christ. Quel vous avez été appelé? Na yango bino bosia ko bianga ma. Pour former un seul corps. Pour ça l'anjo tobe mo. Règne dans vos cœurs. Eye makoko nzana mitema na bino. Pe boye makope sa melesi. Quel est le message que nous avons ce matin? Yango nde sango tozaki na yango na tombo ya lelo. Tikete kimia na Christ. À laquelle? Na yango. Vous avez été appelé. Bino bosia ko bianga ma. Pour former un seul corps. Pour ça l'anjo tobe mo. Règne dans vos cœurs. E konza na mitema na bino. Jambe ya pambola bino. Nous exhortons de nous aimer les uns les autres. Tozai kolendisa na bino te tolinga na mabongo na basusu. Tolingi ko umela kati na nzoto yo. Et si ko nzambe apona. C'est là où Dieu bénit. Et zai pe si kana na nzamba zai ko pambola. Pe azai ko sopa lipamboli pona boyike. Quand notre frère Moïse vient. De ko na biso Moïse aya. Pendant que nous chantons ces cantiques. Tango tozai ko imba nzembo yo. Nous allons kati na mosi na libala na Yesu. 120. 120. Chantons ces cantiques sur la méditation. Page 33, Cantique 120. Jali katina mwasi na libalana Yesu Eko zala pona yese ngoto mokolo yas O yaso moela pana yeko zala pembe Angwa kozonga Tangwe koki bele Koya Alleluia Oh Koya Alleluia Koya Alleluia Akoya Elambwe Bumbisa Pona Katina pole obele mipu na koyamba oh.
alina nusomite ye swalobi na yo ya kantango weko tiponela uo kolwa koya ko lwa koya ale de l'avance et l'ongo. Merci de tout cœur pour ta parole. Ce que tu as résolu de faire, unir cette église sous une seule terre, la conduire dans le même sentiment, le même cœur, et ce que tu sais au milieu de nous, Père Céleste. Ainsi, visite-nous, donne-nous le même sentiment, et le même cœur, une même âme, et bénis l'église, notre Père, que nous marchons dans l'amour du Père. Et que tous les sentiments étranges d'amertume, de haine, que ces derniers sentiments soient ôtés de nos cœurs. Nous voulons vivre pour toi, nous voulons marcher avec toi.